Impression pour ce match pour aujourd'hui, tes premières impressions? Je sens bien les collègues, hein. on est tous dedans depuis ce matin, donc je pense que ça va le faire. Mais bon, faut pas se mettre trop la pression, parce que sinon ça peut nous rendre le match difficile. Et au fil du match, si on prend bien direct, je pense que ça peut le faire. Ouais, très bien. Alors, j'ai l'impression pour l'instant, on est bien tous ensemble. Petite marche. Ouais, je pense que tout le monde va être concentré. Concentré pour aller chercher ce beau trophée. Que l'équipe est prête pour le match. Ça va faire la deuxième fois qu'on fait la finale à Dubogues, donc je pense que cette fois-ci, il faut qu'on ramène la coupe. Puis ça serait top pour mon dernier match. J'ai passé deux années super avec tout cet effectif, le groupe, le staff, enfin tout château, quoi. Donc j'espère qu'on va ramener la coupe, et qu'on va faire plaisir à nos supporters et faire un gros match, puis sortir la tête haute de ce match-là, quoi. De la saison qui s'est passée, on est ici et...
football, vous laissez vous habiller, etc. Un petit peu de discours par rapport au match, par rapport à les propos que je vais aligner, par rapport à ce que j'ai vu de l'Olympique dimanche quand je suis allé voir contre Rennes. Même si c'est dur de prendre un match, pas samedi, mais bon, j'ai quand même dégrossi un petit peu comment ils jouaient. Premièrement, je pense que c'est notre vestiaire. À nous maintenant, ça fait deux années qu'on est là, donc je pense qu'à un moment on va peut-être enlever cela, on va peut-être la citer. Peut-être qu'on y reviendra une troisième fois la saison prochaine. Après, je pense qu'il faut avoir une petite pensée avant de faire un petit peu de discours. C'est tous ceux qui ne sont pas là qui auraient pu être là. Ah, il y a quand même des garçons qui nous ont aidés, hein, comme Anthony, qui est blessé depuis son mariage. Abou, qui n'est pas là aujourd'hui, qui aura pu auteur aussi quand il est dans le groupe. Francky, qui n'est pas là, qui est parti en vacances et tout. Je pense aussi Kéké qui nous a fait du bien, qui n'est pas le rôle pour cause de mariage. On a un petit problème aussi de table. Donc, moi je vous laisse vous habiller, je vais vous aller faire un petit tour et je reviens un petit peu pour la composition d'équipe qui est faite des jeunes depuis un petit bout par rapport à ce que j'ai dit. Jeff, ça va être du boulot, je pense, pour toi. Rassure-nous. Parle, vis ton match pendant. Alors, on va dire, si je disais 90 minutes, c'est beaucoup. 94, on va dire 90. Hein, parce que les matchs, ils durent longtemps, 94, 95. Parle-leur. Même si on prend un but de gagne, eh bien, ça fait partie du football. On peut mettre aussi un but rapidement, on peut en prendre rapidement. Il va falloir être solidaire. Solidaire, je veux dire, les gars, c'est quand, si on a fait des erreurs, on ne s'engueule pas. Limite. On encourage les garçons. Hein? Il y a beaucoup qui se disent, bah, t'as une façon de parler, il faut être un peu dur. Et on fait tous des conneries. Tous. Mais moi, je vais peut-être faire des conneries lorsque je vais faire l'heure. Peut-être faire des erreurs. C'est tout, j'assume. Celui qui ne prend pas des risques, il ne fera jamais d'erreur. Hein? Encouragez-vous, on va arriver. Ça va être difficile. Hein? C'est une équipe quand même qui joue au-dessus de nous. Il va falloir qu'on soit costaud dans nos têtes. Mimi, Guette. Voilà. Un Guette. Alors certainement, toi, il y a tendance beaucoup à décaler là pour le 11 qui va être là, donc la tête, c'est bon, tu le gênes, parce qu'on l'a regardé, tu rochons, il l'a regardé. Alors là, il fait un geste, il a fait passement de jambes, il est tombé par terre de profil pour demain, il ne sait pas. Hein. Mimi, c'est lui, tu vois, le numéro 7 de chez eux, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Il va falloir que tu sois un peu plus jeune. Si tu laisses un peu le temps, tu retournes. Mets du temps. Rentrer dans, monter de l'impact physique sur ce qui est compliqué de 10 mètres. Il ne faut pas se le faire. Nous, je pense qu'on est un peu plus mature, on a des garçons un peu plus âgés. Et là, il va falloir qu'on montre un peu de choses. Montrer qu'on est là, qu'on est présent. On n'est pas, mais là pour faire de la figure. Mais essaye de jouer plus que l'année dernière. Et là, je mets Ben. Je sacrifie Loïc aujourd'hui pour diverses raisons. Ça va très vite. Devant. Hein, c'est ce que j'ai ressenti, on verra bien, si ça va pas résoudre un truc, on changera. Pour l'instant, c'est Ben. Et Ben qui va être aussi utile pour moi dans le duel aérien. Hein, Ben, il est où Ben? Ben. L'entrée Ben, t'as des belles chaussures, tout le monde les a vues, ils sont super, ils sont belles. Mais arrête de jouer comme ça. Hein, et puis c'est bon, c'est lui aussi. T'as un bébé, t'es papa. Allez, t'as un homme maintenant. C'est fini, t'as des belles de l'air, t'as tout. Regarde devant toi. Et tu verras, c'est grâce tout seul. Hein. Bon, je joue derrière. Je pense que. Sérieux, t'es l'homme clé, comme ils ont dit les journalistes, c'est un président qui t'a donné du galon, parce que les clés on les a pas retrouvés depuis. Voilà, je pense que là on peut être costaud. Après, Max. Et Julien. Ça change pas. Taisez-vous. Hein, Julien, depuis toi, t'as vu là, tu vois, tu dis plus un mot, t'as vu, t'as pas repris, dis-moi.
c'est pas pareil. Max, tais-toi. Je vais acheter du sparadrap. Enfin, on va faire quelque chose. Taisez-vous. On se met en difficulté avec les arbitres parce qu'on ramène notre sort de ton match. On sort de notre match et puis on se met les arbitres à dos. Et regardez, quand on se tait, il n'y a jamais rien. On a fait 2-3 matchs par contre parce qu'on ne ramène pas notre rêve. Reste là, vous avez de la qualité pour. On va prendre des coups, on en met, hein, faut croire, on en met aussi des coups. Hein. Arrêtez de dire le mec il prend que des coups, qu'on prend pas dans le football. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il faut savoir en prendre, il faut savoir en mettre. Et puis ben, de temps en temps, mais c'est tout. Il a décidé, l'arbitre, mais c'est comme ça, mais c'est tout. Il s'est trompé, peut-être que la fois d'après, il va dire il avait raison, le numéro 6, mais hop, on va ramasser. Hein. Tout ce que je vous demande. Et là, travaillez bien sur tous les deux comme ça. Hein, c'est pas trop mal depuis un petit bout de temps aussi, hein, on a habitude avec quand c'était mixte, pareil. Travaillez comme ça. Et ça ira tout seul. Restez bien en zone, ne barrez pas tous les deux en même temps, tout ce que je vous demande. Hein, c'est souvent Max qui a tendance plus à monter par rapport à Julien. C'est souvent Julien qui reste la petite sangsue, j'appelle. Hein, restez comme ça. D'accord. Xavier, ferme ta bouche. Hein, c'est pas la peine de se prendre la tête. Après, tu sors de ton match et on n'y est plus. Ça, c'est nos petits trucs de 19-20 ans. Ça, c'est fini, ça. Et hop, on passe là-dessus. Le mec, il t'a mis une semelle, il t'a acheté, ouais, nique ta mère. Ben, c'est pas grave. Ouais, ben, ben. Toi, Michael Ballon, je vais aller te le mettre là-bas. Et puis moi, après, j'irai l'autre unité autrement. Hein, et là, il faut jouer. Et là, tu sors de ton match à chaque fois. Arrêtez avec ça. Hein, parce que le mec, il va te mettre une semelle, il va bien te la mettre. Hein. Défenseur, c'est facile à mettre sur un attaquant. Moi, j'ai vu défenseur toute ma vie, j'en ai mis plus que j'en ai ramassé. C'est facile, le mec, il arrive face à toi, bim, tu le fais. Et joue, prends le ballon et jouez. Hein. Quentin. Je place Quentin là, en numéro 10, à la place de Kéké, aujourd'hui. Pour, parce que je pense que Quentin, défensivement, c'est pas trop son job. Il peut nous aider un peu, duel à rien. Hein. Quentin, tout ce que je vais te demander, c'est de ton enfant, joue vite. Quand tu peux garder la balle, mais essaye de jouer, ce que Kéké sait bien faire, c'est malheureusement, c'est jouer en premier instant. T'as vu, hop, tu mets. Sylvain, lui, t'as tendance à aller jouer vite. Et quand on a contrôlé le ballon une ou deux fois, souvent, Quentin, souvent, très très souvent, il est hors jeu. Il va tellement vite qu'il ne sait pas qu'il faut qu'il gagne 2 mètres par rapport aux autres. Hein, c'est son jeu, c'est le jeu à Sylvain. Hein, joue vite. Et de temps en temps, replace-toi, reste-moi dans l'axe, écoute un petit peu, bah, tu vas voir Gaëtan, tu vas voir Juju, tu vas voir Mimi, tous ceux qui vont te rappeler, même si de temps en temps c'est dit un peu durement, voir Max ou Julien, mais travaille. Et puis, voilà, on marque sur une frappe de 40 mètres. Hein. T'as une frappe, ah, 25-30 mètres, on essaye. Là, ça doit frapper. Ça doit frapper. Hein. Là aussi, c'est Max qui va jouer là. Hein, Sylvain, si tu vois que tu peux pas, ne va pas chercher les ballons tout seul. Si tu vois que le groupe on est en difficulté, laisse-les jouer là un petit peu. Bah, tu vas emmerder à l'arrière en numéro 3, t'entends, je crois qu'il arrive là. Mais va pas chercher tout seul trop, sinon on n'est pas capable parce qu'on a un coup de moyen ou n'importe quoi. Hein, reste bien là et à un moment tu vas l'avoir. Tu vas en avoir, on va en avoir les oreillons, on va en avoir. Ils en auront, mais on va en avoir aussi, il va faire le costaud. D'accord. Et là, comment c'est celle hein. Celle que j'ai repris aujourd'hui. C'est celle qui va commencer là. Celle. J'ai eu au téléphone, on a parlé un petit peu. Hein. Voilà, je crois que je ne vais pas t'en dire pendant une semaine, ça ne sert à rien. Hein. Je pense que tu as de la qualité pour montrer quelque chose. Écoute tout ce qu'on te dit. Hein. Si on vous demande, c'est sûr que là, je dis toujours ça. Et là, c'est deux boulots de merde de ce que je demande. Et bon, c'est un jour que j'avais trois super attaquants et qu'on est capable de dominer toutes les équipes, on ferait, mais on ne serait pas ici, les gars. Hein, vous avez vu l'équipe de France, ils ont joué avec trois attaquants, ils ont fait quoi tout à l'heure? Ils n'ont rien fait. Hein, tout le monde joue tout seul, ils font leur mayonnaise, ils n'ont pas joué du tout ensemble. Hein. Là, il faut travailler. Là, il y a ce qu'il faut après. Si on est fatigué, on a le droit de rentrer et sortir, c'est l'avantage. On peut faire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, coach, je suis mort. Hein, il y a Antoine qui est là, il peut rentrer un petit peu. Il y a Loïc. Et Kevin. Et lui aussi, il peut rentrer un petit peu partout. Hein. Kevin est capable aussi de monter d'un cran, de couloir droit ou n'importe quoi. Il est capable de dépanner limite à quart d'heure. Il est capable aussi, on est tous. Comment? Sur la feuille, t'as dit là? Je pense, oui. Hein, d'accord? C'est tout. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose si on est tous ensemble. On est solidaires, on va y arriver. Il y a des choix, j'ai fait mes choix, ils sont bons, ils sont pas bons. Il y en a aussi les gars qui sont restés là. Hein. Et tout, il n'y a qu'un, 16, 17, 18, 19, 20, ils sont pas là. Hein. Hein, il y a les garçons qu'on a plusieurs aussi qui m'ont dépanné toute l'année. Et aujourd'hui, j'ai pas pu, hein. Je vais demander à prendre 16, on n'a pas le droit, c'est le championnat de district des Ardennes, c'est pas la Coupe de France. Et bien, c'est tout, ils sont pas là, il faut faire avec. Hein. Il faut admettre, c'est tout, c'est mes choix, moi aussi. Mais c'est mes seuls choix, il n'y a personne qui m'influence dans quelque chose. Il ne faut pas entendre parler de n'importe quoi. Depuis que je suis revenu 2 ans, c'est moi qui décide de tout. Bon, pas bon,
c'est moi. Si tout à l'heure vous en prenez 4 ou 5, eh bien, vous direz, coach, il a fait des conneries, vous les parlez. Par contre, si on gagne, ça sera bon. C'est comme ça, ça fait partie de tout. Mais je pense qu'on a de la qualité pour aller les gêner. Les gêner. Je pense que si on a vraiment envie de les faire quelque chose, on a un groupe qui est capable. Je le sais, j'ai confiance en vous depuis déjà maintenant 2 ans, ce que je connais depuis longtemps, même depuis maintenant 5-6 ans. Hein. Je sais qu'il y a de la qualité dans ce groupe-là. Il faut faire avec, on aura récupéré des garçons un peu matures. Je pense que sur le papier, on est normalement plus fort que la saison dernière, mais un match ne ressemble pas à nous. Voilà, tout ce que je peux vous dire après maintenant, c'est à vous. Hein, c'est à vous de jouer. Surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez, il y a de la qualité. Ça y est, c'est parti. On a un niveau, les gars. On est plus... Tête haute, les gars, jusqu'au bout. On sait le faire, jusqu'au on l'a bout, fait. On a embêté le tueur, on a embêté Sedan, on embête tout le monde. Allez, allez, c'est parti, mec. Allez, hein. C'est bon. Bon match, je vais
Ils sont en train de s'énerver un peu là. Ils n'arrivent pas à faire leur jeu là. T'es mort là, Yassari. T'as tué. Non, elle a bien bossé. Après 45, elle a bien bossé. Ouais. Dès que je commence à faire. Continue mon lapin. Il est sûrement rappelé, mais. Allez, souffle un peu, buvez. J'ai même pointé le chien à 1 mètre, je suis obligé d'en faire. Non, mais t'arrêtes. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Viens. On reste costaud comme on est là, défensivement, on est costaud. Ouais, c'est dommage, on a eu des 3 contre 1, 3 contre 2 qu'on n'a pas su faire. Hein. Putain, il nous manque le petit contrôle. Hein. Le petit contrôle que ils ont. La balle, contrôle la balle, reste là. Hein. Non, contrôle la balle à la net. Et après, c'est pour qui? C'est pour les bleus. C'est nous qui contrôlons pour eux. Hein. C'est humain, tout ça. On a de grosses difficultés dans nos contrôles. Et c'est là qu'on perd le ballon. Si on arrive à garder les ballons, bien sûr qu'on peut leur faire mal. On arrive à s'appliquer un peu plus là-dessus, les gars. Et puis les gars, ça arrive mal aussi dans les duels. Quentin. Tu dis le 4 il est grand, mais il y a, à un moment c'est pas que le 4 qui te prend les balles. Hein. Il y a un petit là derrière, tout à l'heure il a monté, toi ça n'a pas sauté, hein. Il t'a pris la balle. Hein. Ils y vont. Hein. Il faut qu'on se fasse du mal un petit peu. On les voit qui poussent dans le dos. Ah, il faut que ça. Il va se plonger, les gars. Il va se Allez. On est bien, on est bien. Vous avez vu les gars? Il a raison, c'est des défenseurs qu'on leur tape. Dès qu'on a travaillé là, et là. C'est bon, Alex, on les a vachement emmerdés. Dès qu'on a laissé un petit peu là, Mimi à un moment il était un petit peu en difficulté de parce que ça dit. Il n'arrive pas à revenir. Les aviers, c'est le tien qui monte. Vous l'avez dit, hein, t'as vu offensivement, il a pas fait le coup. Il a fait le coup. Voilà. Et par contre, si t'as l'occasion d'y aller, il faut pas provoquer. Il a pas fait le coup. Il a pas fait le coup. Il a pas fait le coup. Il avait laissé balle d'arrivée. Et leur 2, leur 3, le grand, que je vous ai dit que celui qui frappe, vous avez vu la mine qui vous a mis un moment. Parce que con, on le regarde. On le regarde. On n'a pas le droit, on doit sortir dessus. Hein. C'est lui qui faut prendre. C'est leur 2, je crois qu'il est aujourd'hui. Il est 2 aujourd'hui. C'est lui. Il a pris le numéro, il a retenu. Et lui, il faut le prendre. Et je lui dis, les gars, transmission du ballon, il faut qu'on s'applique un peu plus. On a des coups à jouer qu'on n'arrive pas à faire. Après, bon, le restant, on se défend avec les armes qu'on a. Hein. Il nous manque un peu de technique, ça on le sait très bien. Sinon, on ne serait pas là. Mais il y a des coups à jouer, il faut qu'on joue. On a frappé plus au but que là. Après, c'est vrai, Quentin, tout à l'heure. Ouais, j'ai avancé. Mais t'as 10 mètres. Mais c'est la même que t'as à vous dire. Va me gagner 10 mètres et puis après, tu envoies sa gauche. J'ai l'impression que colle au cul. Non, 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 il a mis la charrette, il est loin, derrière toi. Il joue, Le mec, il pousse, tu tombes, c'est terminé. Bah, tu sais faire, mon gars. Quentin, comment Xavier? Défensivement, il a tenu, je ne sais pas pourquoi il le comprend, parce que derrière, il y a un moment, il tombe bien. Mais Sedan, on a fait pareil. Voilà. Il faut, à un moment, on a eu une occasion, on l'a mis dedans. C'est bien. Travailler, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Il faut les emmener le plus loin possible. Ils vont s'énerver et on en aura une. On va leur mettre le cajou au pied. Max, ça va? On va faire aller. Ah, il faut tenir, il faut tenir. Il rentre un petit peu Kepi à la place de Seb, il va prendre un peu le couloir, il va plus languir un peu, tu fond, qu'il aille un peu la brioche. Non, mais lui, avec ses grandes cannes, il va pouvoir y aller un peu. Kepi, il va pouvoir y aller. Là, encore un petit peu. Encore un petit peu, ouais, mais. Après, Antoine, il va y aller. Non, mais je préfère que vous nous soufflez, puis après, on va bien se dire. Non, mais c'est comme ça, ouais. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Comme une dernière, carrément. Mais c'est grand. Il dit château, mais bien sûr, il y a encore plus grand. Ça, récupérer, ça, ouais. C'est pas mal, il fait une bonne mission, on est en place. On est en place. Donc, je lui dis, hein, ça va être un but cabot parce que quand on va pas être prêt sur un coup franc, sur une balle perdue de merde parce qu'on aura voulu dribbler ou que c'est qu'il faut pas. À chaque fois, les attends, voilà, surtout attentif. Ah, ils jouent plus vite que nous. Techniquement, ils sont supérieurs à nous, il n'y a pas de photo. Mais c'est tout ce qu'ils ont, ils ont que ça. Ils ont une occasion, on a tiré 3-4 faux buts par rapport à eux. Et je pense qu'on peut leur faire encore du mal en demi-temps. Physiquement, on doit être là. Il faut être là. Ils vont s'énerver. Hein. 45 minutes, je pense qu'ils vont prendre un cigare déjà. Et puis encore tenir sur tous les 15-20 premières minutes. Hein. Lâcher. Quand je la perds sur le côté gauche, quand je la perds, ah, c'est dur le joueur. C'est évident d'ici, les gars, il arrive. Ce soir, je la pète pas. Je pense qu'il faut le faire travailler un petit peu.
Je pense qu'il peut nous faire du mal un petit peu, peut-être avec ces gens anglais, peut-être avec ce qu'il faut. On va toujours le remettre un petit peu. Il faut y aller, il faut y aller. Plus fort que nous, je pense, dans le jeu, mais on va se tendre. On reste au bloc, on travaille tous ensemble. C'est à un moment donné, ils vont sortir, ils vont embarquer. Il va sortir, on va chercher tout seul là-haut. Il va pas. Récupère. Reste là. Après, par contre, tu vois que le 2, leur 2, qui commence un peu à l'âge, il faut aller commencer à jouer. Regarde si on est loin. Reste entre les deux. Non, mais tu vois, on l'a droit. Tu vas tuer pour rien. Entre les deux, laisse-les. S'ils font ça pendant un quart d'heure, ils peuvent le faire. Tu les bloques sur un côté, ils sont pas en danger. C'est pas grave. Ouais, c'est après, tu vas moi, je te montre qu'un truc. Tu touches la balle, tu me la mets au fond. Quand tu touches qu'une, il y en a. Même si tu es dévié sur le respect, c'est pas grave. On n'aura pas dit ça, vous parlez. Tu bloques là et après, tu serres. Tout de suite. Il faut qu'il donne un A bien au milieu. Mais tant à l'heure, attends, il faut savoir mettre une tribune. Les 2-3 dernières minutes, on le fait pas. On doit le sortir au moins 3 fois. J'ai souvent difficulté de l'autre. Renaud, elle a fait un peu. Ouais, c'est bon. Après, s'il ne siffle pas. Mais bon, c'est on est récupéré. Et en tous les cas, heureusement que pas de danger, il y a un collègue qui va le récupérer. Allez, récupérez maintenant, allez, on vous laisse un petit peu. Reconcentrez-vous tous là. Attention au premier quart d'heure, hein, c'est notre péché mignon au château, là. On a du mal à reprendre les matchs. Allez, va accélérer. Allez, garçon, on y va. Hein. Attends, je suis trop. Voilà, vas-y.